On va poursuivre avec Plastic Omnium. L'équipementier automobile français vit un début d'année faste avec 27% de gains sur sa valeur en bourse. Oui, les cours sont sortis il y a quelques séances de cela par le haut d'un très large intervalle de consolidation qu'ils avaient défini entre le mois d'octobre et le mois de janvier, entre le support majeur aux alentours des 13 euros et la résistance majeure à 15,80. En fait, au mois de janvier, les cours ont déclenché une première jambe de hausse qui a balayé tout l'intervalle de façon assez dynamique. La résistance avait provoqué une consolidation intermédiaire sur le support à 4, aux alentours des 15 euros avant que les cours n'en sortent par le haut. D'ailleurs, la résistance majeure était renforcée par la moyenne mobile à 200 périodes qui commence à s'aplatir. C'est un signe de force, un gap aussi là aussi était ouvert. Vendredi, avec cette très bonne séance haussière, la sortie de l'intervalle est confirmée. Alors on peut toujours sur ce type de configuration, assister à un pullback, à un retour sur la borne haute de l'intervalle aux alentours des 16 euros pour confirmer le fait qu'une tendance est bien en place par la formation d'une polarité, c'est-à-dire que la résistance à 15,96 euros deviendrait à son tour support, ce qui permettrait de renforcer le signal haussier donné. La première résistance, toute première résistance est à 17,60, mais le potentiel de reprise est beaucoup plus important. Il se situe dans la zone de résistance majeure entre 19,26 et 19,87.